Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au centre de formation du Racing Club de Strasbourg-Alsace. Dans quelques instants, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Grand Est. Deux Coupes du Grand Est en réalité, la Coupe du Grand Est pour la catégorie U15 et Coupe du Grand Est pour la catégorie U17. Messieurs, vous êtes prêts pour la catégorie U17, celle qui peut éventuellement vous concerner. Je crois que c'est à toi, Wilsem, pour ce groupe A. Un groupe composé d'équipes barinoises. Mais il y a aussi le FC Metz, le Racing Club de Strasbourg, il y a aussi Sarreguemines. Donc il y a du lourd dans ce groupe. Le FC Metz. Ben voilà le FC Metz. Oberlauterbach. Alors là, on est dans l'extrême nord. Ouais, tu as toutes nos excuses, Nolan, il n'y a pas d'inquiétude. Donc on est tout au bout, tout au nord de l'Alsace. Le groupement Evan qui s'est qualifié du côté de la Faye, 6 buts à 0. Et qui, du coup, recevra le FC Metz, donc belle affiche du côté d'Oberlauterbach. Le RC Strasbourg. Le Racing Club de Strasbourg. Voilà, peut-être un match que vous serez amené à jouer, au moins à voir. L'AS Strasbourg. L'AS Strasbourg qui s'est qualifié à domicile, donc pas de débat. Le match sera fixé au Racing pour ce match de la catégorie U17. Peut-être du coup à Plopsheim, on verra. L'ES Molsheim. L'ES Molsheim-Ernolsheim qui s'est qualifié à Cronenbourg. Au tir au but au tour précédent. Strasbourg-Vauban. Strasbourg-Vauban qui était exempt. Donc le match sera fixé à Molsheim-Ernolsheim pour ce match face au Pierrot-Vauban. Le dernier match de ce groupe A, messieurs. Agno. Le FCSR Agno qui a été dur avec la Gerfleurival, 6 buts à 1 au tour précédent. Le FC Sarreguemines. Le FC Sarreguemines qui a une très belle génération en U17 R2, qui est d'ailleurs toujours qualifié en Coupe Gambardella et qui se déplacera du côté de Agno pour ce match des 16e de finale programmé au 10 décembre prochain. Le récap pour ce groupe A, messieurs, avec Oberlauterbach qui recevra le FC Metz, le Racing Club de Strasbourg-Alsace qui recevra l'AS Strasbourg, c'est un vrai derby. L'entente sportive Molsheim-Ernolsheim qui recevra les Pierrot-Vauban. Et enfin, le FCSR Agno qui recevra Sarreguemines.